bien salut à toutes et à tous les amis, ici Mkolo, comment allez-vous Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19, si je dis pas de bêtises, de Madventure 2.0. Comment allez-vous les amis Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. Merci pour vos commentaires sur le dernier épisode. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous ai euh, bah, j'ai continué le livre des abonnés, encore une fois, si vous voulez y être, les amis, vous me le dites en commentaire et je vous ajoute. Je vous montre juste les derniers ajouts. C'est à partir d'ici qu'il y a les nouveaux abonnés que j'ai ajoutés. Donc je vous laisse le temps de, de vous lire. Pareil pour la dernière page. Voilà, voilà, les amis, pour cet épisode, nous allons continuer eh bien, la maison champignon. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a donné une superbe idée. Et euh, on va aussi discuter du prochain épisode, puisque dans le prochain épisode, je pense que je serai en compagnie de Firestorm, puisqu'on va s'occuper de faire euh, une base sous-marine. En tout cas, on va commencer à construire une base sous-marine. On va en parler le temps de retourner à la maison champignon. Et on fera également un piège à squelette, comme dans la saison 1 de Madventure qu'on avait fait. Enfin, c'était BXNO qui l'avait fait, mais du coup j'aimerais refaire la même chose, mais différemment. Donc on verra ça pour les prochains épisodes, pour piéger donc un squelette. Pourquoi piéger un squelette Pour pouvoir euh, bah, faire des CD avec les creepers vous savez, puisque un des objectifs, c'est d'avoir tous les CD. Bien évidemment, donc euh, un abonné m'a donné une superbe idée. Donc cette magnifique maison champignon, hein, très clairement. Et bien à l'intérieur... Vous m'aviez proposé, vous m'aviez suggéré d'utiliser le champignon marron pour faire le sol, pourquoi pas. Alors le truc, c'est que euh, le champignon marron, il a la même texture que le champignon rouge, il me semble, euh, ici. Enfin, je veux dire, c'est pas rouge, c'est brun, mais pour les... Comment m'exprimer Ça y est, je m'exprime très mal. Mais c'est la même texture que euh, le rouge qu'on voit pas en fait. Donc, je trouve pas ça spécialement chouette. Donc, on va se contenter de ça pour le coup. J'aime bien. C'est assez, euh, ça va. C'est assez sympa. Par contre, l'idée qu'on m'a proposée en commentaire qui est assez cool, c'est ici juste à ce pilier faire un. Comment ça s'appelle Un escalier en qui tourne en descendant. Je sais même plus comment ça s'appelle. Il m'avait dit en commentaire précisément comment ça s'appelle. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une très très bonne idée. Donc on va faire ça, les amis, pour euh, ce début d'épisode. Euh, à savoir donc pour le prochain épisode, ce que j'aimerais en fait, c'est donc. Euh, parce que vous savez que j'ai un cœur de la mer, Heart of the Sea. J'avais récupéré ça, il me semble, dans un coffre trésor. Et on peut crafter avec ça des conduits. Donc des conduits qu'on peut mettre sous l'eau. C'est une des nouveautés de la 1.13, si je dis pas de bêtises. Et donc ça permet de respirer sous l'eau à l'infini euh, dans le secteur. Mais pour ça, il faut aussi des coquilles, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle des carapaces je sais pas quoi des sortes de coquilles et pour ça il faut soit les pêcher soit les récupérer en tuant des, des zombies euh, sous l'eau donc ça va falloir qu'on ait parce que j'en ai aucun donc à voir si peut-être je peux en gratter chez certains acolytes s'ils si en ont euh, dans tous les cas on essaiera de s'en choper peut-être encore dans cet épisode on va voir je ne vous promets rien comment ça s'appelle du coup les escaliers comme ça qui descendent en je ne sais plus en tout cas l'abonné l'avait dit en commentaire euh, franchement je ne sais plus est ce que oui j'ai une table de craft ici on va évidemment faire des escaliers en... Ouais, en, sp en dark... Euh... En dark spruce là. Non, ça c'est du spruce et ça c'est du dark oak. Attention à ne pas confondre. Oui, non, mais on va faire comme ça. Donc, on va... Euh... On va le mettre ici comme ça. Vous inquiétez pas, on peaufinera. Hein. Et en fait, du coup, ça va être un accès, comme dit, à, à toute une grande salle. Où il y aura tous les objectifs, par exemple, bah, tous les CD, toutes les armures. Un peu comme à l'ancienne. Vous m'aviez proposé d'essayer de, de faire comme euh, la saison 1. Que ça ressemble à comme la saison 1. Le problème, c'est que bah, je vois pas comment faire, étant donné que c'est un champignon. Donc euh, déjà de base ça ne ressemble plus. Et, euh, et, et aussi, je ne sais pas si je vais rajouter un champignon par-dessus pour faire plus grand. Franchement, je pense que ce n'est pas nécessaire. Franchement, je pense que c'est pas nécessaire. En plus, il y a ce champignon-là. Euh, bon, du coup, qui vole et qui est bugé. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Par contre, j'ai pas pris de lit sur moi, le soleil va se coucher, mais c'est pas grave, puisqu'on va rester à l'intérieur. Euh, donc, euh, donc tranquille. Ok, ouais, on va faire ça. Alors on va, on va pas creuser trop profond. Mais on va quand même creuser assez profond pour quand même pas qu'on se retrouve dans le caca. Ce serait bien qu'on ait tout à même niveau, franchement. Ce serait assez sympa. Euh, ce serait assez sympa. Donc ouais, je pense qu'on va creuser encore un coup là. Et ça, on fera descendre. Regardez, là, je vais, je vais creuser encore la terre. Et on va faire continuer le, le pilier de champignons en bas, d'accord Voilà. Euh, Est-ce que j'en ai d'ailleurs Tiens, attendez, attendez, attendez. Est-ce que j'en ai à tout hasard euh, bah attendez parce que j'ai le champignon rouge. Oui mais du coup c'est pas, pas pareil que ça quoi. Euh, bah c'est pas grave, vous inquiétez pas, on fera pousser juste après euh, quand il fera jour, on fera pousser des champignons pour récupérer les... Vous inquiétez pas. Du coup, on continue. Donc là, faut bien se dire qu'il y aura le poteau. Ouais, bah je pense qu'à cette hauteur là, on, on est hauteur 58. À cette hauteur, je pense que c'est bien. C'est pas trop long à descendre, on fait juste un petit demi-tour. Là, je suis 64. Ouais, et, et visiblement, il y a pas de trou à l'horizon. En vrai, c'est jouable. Je pense que c'est jouable à cette hauteur-là. Je préfère vraiment prendre toutes les précautions pour éviter d'être dans, dans le dans le pétrin, hein. parce que là, il y a encore de la terre. Yo, viens, on va descendre encore un peu. Euh, on va descendre encore un coup. C'est quoi On va utiliser toutes les escaliers. Là, il m'en reste une, d'accord Voilà, comme ça, là, voilà, là maintenant. On est sûr que ce sera bien. Donc là, on va faire une grande salle, les amis. On va creuser. Et, et franchement, Minecraft, c'est génial, hein, creuser des, des trous. Non, parce que du coup, au spawn, je suis encore en train de creuser à fond. Euh, parce que du coup, je suis en train de... Je vous montrerai après, si j'y pense. Euh, limite, j'ai envie de vous montrer maintenant. Parce que j'ai absolument envie de faire tout de suite le, le poteau et avoir des champignons. Je vais vous montrer maintenant, les amis, d'accord. Attendez, hop. Je vais juste continuer de creuser encore un peu. Et je vais vous montrer dans quelques instants. On va aller au spawn et en fait, je vais vous montrer ce que je suis en train de commencer à faire. Voilà, du coup, là, je suis au spawn, un petit slash spawn. Et en fait, du coup, vous voyez, disons qu'il y a tous les portails qui sont là. Mais ça commence à être galère parce que, comme dit, on est en train d'en rajouter et c'est un peu la merde. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, j'ai recreusé ici, j'ai commencé une nouvelle galerie. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'ici, on fasse la même galerie qu'ici. Et pourquoi pas en faire encore une troisième de sorte à ce qu'il y ait une allée centrale et que en fait voilà ce soit une sorte de gare un petit peu avec plein de portails. Donc euh, c'était juste pour vous montrer ça et franchement je fais que de creuser à chaque fois c'est assez pénible. Et pareil d'ailleurs pour le petit euh, pour le petit euh, pour le petit Easter egg attendez regardez 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 pour le petit Easter egg du coup qui est dans mon ender chest vous savez j'ai un j'ai un truc que vous vous demandez ce que c'est je vais vous montrer vite fait. Alors par contre c'est pénible c'est toujours pas assez éclairé visiblement j'ai pas envie qu'il explose la maison. Euh, ici, voilà, j'ai un petit truc ici, on se demande ce que c'est. Bah pareil, ça m'a demandé de creuser, enfin vous allez très vite comprendre. Ah, je suis en train de miner avec ma Silk Touch depuis tout à l'heure, ça me récupère de la stone. Ah bah c'est fantastique. Bon, et du coup, il nous faut des champignons rouges. Euh, ah oui, mais les champignons rouges, je les ai laissés là-bas. Bah, c'est pas grave, du coup on va dormir. Hop, parfait. Euh, Est-ce que j'ai un lit sur moi Attendez, on va prendre un lit sur moi, comme ça on sera plus dans le caca. Non, j'ai pas de lit à disposition, fantastique j'ai même plus de laine il m'en reste plus que bon bah, tant pis allez fuck on n'a pas, pas besoin de lit on va faire pousser le champignon et on va faire le, le, le poteau le pilier et puis on va pouvoir enfin continuer euh, bah, ce qu'on est en train de faire donc notre petite salle à objectif bon les amis j'espère que vous allez bien j'espère que bah, le confinement se passe bien voilà on peut un petit peu en profiter euh, de, de cet épisode de Madventure pour un peu discuter pour un petit peu un petit peu chiller hein, bien évidemment j'espère voilà, que ça se passe bien que vous avez pas de problème de, de santé ou quoi hein, voilà globalement que euh, tout va pour le mieux Donc là hop Hop et on va juste faire pousser un champignon Un petit peu plus loin Pour pas que ça nous dérange euh... Ah ouais mais je suis teubé Ah si c'est bon Comme il y a de l'ombre là Voilà parfait comment on récupère comme ça Nickel avec la silk touch c'est nickel Comme ça on récupère le pilier Ah attends <laughs> Génial du coup j'ai recréé euh, Un champignon euh, nul Attendez on va quand même le casser parce que pas déconner non plus. On va le casser, on va le casser. Comme ça, ça nous fait un grand pilier d'ailleurs. Et là, on va récupérer avec la hache. Comme ça, on aura à nouveau des champignons en, en rab. Et puis, ça va super vite. Voilà Ça, c'est bon. Attends, il y avait encore un champignon là. Pareil ici. Nickel. Là, on, est, on se retrouve avec 16 champignons rouges, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a notre euh, petit pilier, les amis. Voilà, on va enfin pouvoir euh, continuer dans de bonnes conditions. Donc, normalement, euh, mushroom stem, c'est ça. Donc là, j'ai juste à faire ça. Nickel. Nickel, nickel. On va le faire descendre encore ici. Voilà. Donc, on continue de creuser, les amis. Euh, donc, dans l'idée. En ah, bon, plus, on se fait du fer euh, facilement. Donc, ça fait plaisir. Je vais peut-être prendre mon autre pioche. Hein. Ça ira plus vite. Euh, et puis, comme ça, j'avais récupéré également le, les minerais. Euh, du coup, voilà. Dans l'idée, on va essayer de, de tout faire sur le même étage. Ce serait fantastique. Donc, ça va être, je pense, assez, assez colossal, assez grand. Et donc dans l'idée faire plusieurs compartiments, euh, une galerie à gauche, une galerie à droite, enfin une galerie, une salle, hein. c'est pas des galeries mais c'est des salles. Donc pour euh, voilà dire ici ça c'est le monument à CD, le monument à minerai, euh, le monument à armure, pardon, enfin voilà, vous, vous m'avez compris. Donc là on va continuer dans ce sens. Ce qui est bien c'est que ça va assez vite du coup avec la pioche, efficiency 5 tout de même. Hein. Donc et puis en plus ça va pas casser puisqu'on a du charbon avec le mending ça se répare tout seul, c'est vraiment cool. On est à la couche 56. Donc on devrait pas avoir trop de problèmes avec, euh, bah avec le, le, le sol de dehors. Ça devrait être plutôt bueno. Euh, mais je ne sais pas encore euh, comment on va vraiment faire la salle, donc je réfléchis en même temps. Et euh, et puis voilà. Donc ouais, les amis, pour les prochains épisodes, clairement, je vous le dis, euh, les prochains épisodes, ils vont être en multijoueur. Je vais essayer. J'espère que ça va vous plaire vraiment. Euh, J'aimerais vraiment que ça vous plaise. Je vais essayer d'inviter un petit peu tout le monde pour les prochains épisodes. Vraiment. C'est-à-dire que donc dans le prochain épisode, je pense notamment qu'il y aura Firestorm. Puisque du coup on fera comme dit euh, tout ce qui est conduit euh, pour faire euh, le, la base sous-marine, euh, voire pour faire un piège à, à Creeper. Peut-être que du coup ça je le ferai avec BXNO. Dans tous les cas j'aimerais réinviter BXNO euh, en vocal pour un épisode, pour qu'on aille du coup euh, dans les temples marins, euh, pour qu'on puisse récupérer... Euh, euh, c'est quoi de nouveau que je vais récupérer pour les temples marins Bah déjà évidemment la la, décora... bah, la prise marine C'est ça pour la prise marine Et puis pour la déco euh, du temple euh, sous l'eau Qu'on fera du coup, enfin du, du, du dôme sous, sous l'eau euh, J'aimerais également inviter Donc de nouveau Lydid. Pourquoi pas réinviter Seriac. Euh, Faire une vidéo avec Tiamo J'en ai encore jamais fait avec Tiamo tiens Alors c'est assez compliqué j'imagine euh, En ces temps de confinement donc de, de réunir un peu tous ces gens là Mais voilà à chaque épisode je vais essayer euh, De retrouver un acolyte pour faire un épisode spécialement avec, avec cette personne. Voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. J'espère que, bah, que ça vous plaira les amis. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si ça peut vous intéresser, donc des vidéos à plusieurs, euh, à chaque épisode, un nouvel acolyte, ça peut être assez, je pense, intéressant. Je vais aussi creuser par terre, parce que du coup, on fera le sol quand même. Évidemment. Donc on va évidemment commencer par là, ça nous donnera des, des bonnes idées pour euh, voir comment on aménagera tout ça. Euh, le sol, on, le on va le faire. De toute façon, en plus comme j'ai coupé beaucoup de bois, on va le faire également euh, avec euh, le, le bois euh, très sombre. Hein. Je pense que ce serait sympa, euh, d'autant plus que bah ça a sa place comme on est dans la forêt sombre. Et en plus on pourra, je pense, euh, faire un contraste avec des couleurs vives, des lumières vives, avec euh, je pense des, des belles petites lumières notamment les 6 lanternes qu'on pourra récupérer du coup avec BXNO dans, dans les temples marins. Voilà. Également, pourquoi pas avec Anaïs aussi, je sais que c'est compliqué en, en ces temps pour euh, tourner avec Anaïs. Donc euh, on, on verra tranquillement euh, avec qui d'autre. Créo, évidemment, j'ai failli l'oublier. Créo qui est un petit peu moins motivé, j'ai l'impression, euh, par rapport à, à Minecraft. Et c'est vrai que moi, du coup, je connais un petit peu ces vagues. Ces vagues où, où tu es un petit peu moins motivé. Euh, c'est pas ce bois-là que je vais utiliser. Attendez, je suis un peu dans le caca pour remonter. Du coup, pourquoi pas redonner un peu l'envie à Créo donc en faisant une vidéo ensemble? Euh, ça peut être assez intéressant. Dark Oak Lug, ouais, on va utiliser ça. Mais je crois que j'en aurais pas assez. Euh, ça va être un peu chiant. Mais bon, si ça va le faire. Déjà pour commencer, ce sera pas mal. Euh, Dragon Alpha, évidemment. Alors Dragon Alpha, j'ai déjà fait un épisode avec Madventure euh, avec elle. Euh, au tout début, quoi. Hein, où on avait troll euh, l'idée. Voilà, sinon il y a qui d'autre encore j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais je, je crois que j'ai tout dit. Euh, c'est pas symétrique Ah oui, parce qu'il faut encore que je creuse ce mur-là. <laughs> non mais voilà, du coup, vous voyez, ça fait une petite galerie, et je pense très sincèrement que comment ça va être. Je pense qu'il y aura genre ici une porte, ici une porte, ici une porte, ici une porte, pareil une porte, une porte, une porte. Et euh, par contre, on va vite éclairer, parce que sinon ça va être la merde. Euh, mais voilà, du coup, en fait, du coup, ça va mener à, à différentes salles qu'on pourra faire au fur et à mesure, évidemment. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, comme ça, au moins, on a notre idée. On sait que ça avancera. Et, euh, et ce sera bien sympa. Voilà. Alors, les amis, euh, ce que je vous ai montré avant, du coup, le, le sex passe que vous demandez sans doute ce que c'est, eh bien, je vous le ferai découvrir en live. Voilà. Je vous le dis direct, je vous ferai découvrir ça en live. Donc, suivez-moi, les amis, sur Twitch, parce que je ne pourrai que vous le montrer sur Twitch, d'ailleurs. Et c'est pas euh, pour vous inciter à venir, et, et, et voilà, etc. Mais. Euh, bah si un petit peu mais je veux dire je peux pas vous montrer ça sur YouTube sinon je vais avoir des petits problèmes donc je <laughs> faudra me suivre sur Twitch je vous préviendrai en temps et en heure quand je ferai cela et vous je vous montrerai ça il pas a pas souci mais il faut vraiment impérativement que vous me suivez sur Twitch très important voilà donc vous voyez je pense que par exemple on fera une euh, une porte là voilà et là on fera une salle une une petite salle voilà où il y aura par exemple euh, toutes les armures voilà euh, je me rappelle plus des objectifs mais voilà on va creuser un petit peu pour vous donner une idée pour qu'on se donne évidemment une idée, donc voilà, il y aura une salle avec tout, euh, toutes les armures. Là en parallèle, il y aura une salle avec euh, tous, les, tous les CD. Voilà, euh, bon, ce sera euh, évidemment plus grand hein, que ce que je suis en train de faire, <laughs> vous vous doutez bien, mais là c'est juste histoire qu'on se donne une petite idée de, de comment ça, ça pourra rendre. Je pense que c'est assez pas mal, c'est assez intéressant. Voilà, euh, par contre, juste on va continuer niveau déco ici, euh, s'il y a moyen, parce que là ça ne me plaît pas du tout. Salut les zombies. Ça me plaît pas du tout le fait qu'il y ait de la terre. Donc, euh, voilà, on va casser. Et on va mettre d'autres blocs. Euh, éventuellement des blocs de champignons, mais je pense que j'en ai plus. Oh, yes Nice J'en ai encore. Et vous voyez, regardez, ça fait contraste avec le, le noir. Avec le foncé, c'est super cool. Voilà. Alors, ça, il faut casser aussi. Pareil ici. Je pense qu'à un moment donné, on arrêtera. Et on mettra d'autres blocs parce qu'évidemment en champignon on pourra pas. Euh... Je pense qu'on va arrêter ici. Euh... C'est quoi ici On va faire un contour champignon, les amis. Ouais. Regardez. On va faire un contour champignon. Alors j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Pour le contour champignon. Euh, attends, ça je vais récupérer. Ah oh, merde, j'ai pas utilisé la sick je Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai Fissien 65, oui c'est bien ça. Voilà, petit contour champignon. Euh, et donc là, évidemment, on va aussi mettre du euh, champignon. Là. Euh, bah là, non, en fait. Parce que là, ça fait un peu con. On va mettre ça. Euh, Laissez-moi réfléchir, là, évidemment. Je crois que j'en aurais tout pile assez. Ah, même pas. Par contre, on va éviter de faire la même erreur. Ah, si j'avais pas cassé l'autre champignon là. J'aurais eu tout pile assez Là ça me plaît pas Pareil il nous faut du dark Voilà comme ça c'est un petit peu plus euh, Un peu plus sympa quand même hein. Ouais c'est plus agréable mais là comme dit il me manque un champignon Putain c'est con on peut pas crafter un bloc de champignon En faisant ça genre Ah non on est bien d'accord C'est dommage hein. c'est dommage c'est dommage Bon il nous manque tout pile un champignon Je suis trop deg je suis trop deg parce que ça aurait été parfait Bon Eh attendez le champignon Il vient de changer de texture ou quoi Qu'est-ce que c'est que ces conneries Il a changé de texture. Stylé. Ok, du coup, euh, donc euh, voilà pour euh, voilà pour l'idée. Euh, pour rappel, les amis, euh, pour rappel, alors attendez, et d'ailleurs on va faire une petite sécurité ici quand même. Parce que ce serait dommage de tomber, tiens, au niveau de la déco, qu'est-ce qu'on pourrait faire J'ai pas ramené de tableau hein. J'ai pas ramené de tableau, je suis un abruti. On va mettre un petit cadre là, hop, voilà. Et puis euh, Un petit cadre. Ici, voilà. Hein. Mais on mettra des tableaux, hein, parce que comme dit, avec mon ressource pack, euh, on peut euh, se faire des petits plaisirs. Euh, des coffres aussi. Ouais, on va mettre, euh, je ne sais pas à quoi ça pourra servir, mais on va mettre ça ici pour le moment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire encore Qu'est-ce qu'on peut faire Des échelles, euh, des torches. Ouais, bon, voilà. Voilà, voilà. Ah tiens, là, j'ai mis du bois de chêne. Je pourrais mettre du bois d'acacia en vrai, non A mmh. voir. Attendez, faut essayer. faut expérimenter. Avant qu'on reparte, hop, non, c'est ça que j'aimerais. Je, je fais n'importe quoi, je tremble un peu, j'ai froid aux mains. Ah, si, ça peut être sympa, ça fait un peu plus de couleur euh, rouge. Ah, si, c'est sympa comme ça. Non, j'aime bien, voilà. Là, comme ça, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est très bien, quoi. Euh, du coup, voilà. Est-ce qu'on peut ressortir Le soleil se couche. Ouais, le soleil se couche, donc on va vite déguerpir. Je me suis tue parce que j'avais peur qu'il y ait un creeper. Donc, je, je fais quand même assez attention à cela. Euh, on va aller dormir et je vais juste du coup vous remontrer pour qu'on en parle. On va s'en arrêter là pour, pour cet épisode. Euh, voilà, j'ai pas envie de faire un épisode trop trop long étant donné que le dernier était assez long. Euh, J'espère d'ailleurs que ça vous aura quand même vraiment plu parce que vous m'aviez pas dit en commentaire si ça vous dérangeait ou pas les épisodes longs comme ça. Euh, on va dormir et donc juste pour qu'on en parle pour les prochains épisodes, je vais vous montrer. J'ai demandé à, à BXNO si elle était d'accord ou pas par rapport euh, au... au bâtiment que j'aimerais faire sous l'eau. Comment on appelle ça Enfin, j'aimerais faire. Parce que je sais même pas encore... Attendez, je vais pas vous spoiler. Regardez chez BXNo ce qu'elle fait, c'est incroyable vraiment. Euh, je vous montrerai euh, quand vous aurez vu euh, sur sa chaîne ce qu'elle fait, voilà. En tout cas, il y a du sable partout, c'est trop stylé. Euh, donc juste là-bas, il euh, y a des corails et tout, enfin des coraux. C'est trop 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 stylé, donc j'aimerais m'installer sous l'eau, puisque c'est un objectif que vous m'aviez proposé. Et donc j'ai demandé à Bexno l'autorisation, elle m'a dit oui, si c'est pas trop moche, donc on, on essaiera de s'appliquer. Euh, mais vous voyez, alors là, ça peut être sympa. Donc je ne sais même pas encore comment faire, si ce sera un dôme euh, de verre, si ce sera grand, petit. J'aimerais pas faire un truc trop grand, juste un truc agréable. En fait, je vais vous dire un truc, pour les vieux de la vieille, hein, si vous connaissez Minecraft depuis longtemps, j'aimerais faire un truc dans le délire de euh, euh, under, euh, Underwater Survival pour ceux qui s'en rappellent, c'était une map, je crois que ça s'appelait comme ça, c'était une map survival sous euh, l'eau, c'était trop trop bien, c'était vraiment à l'époque euh, à l'époque, hein, vraiment à l'époque du début de Minecraft c'était trop trop bien, depuis il n'y a jamais eu ce genre de truc, et, et euh, ce serait intéressant d'ailleurs une map survival sous l'eau de nouveau avec un enfin c'était trop bien du coup j'ai envie de faire un truc dans ce délire un petit, euh, un petit dôme sous l'eau, mais vraiment très très petit, euh, pas très grand quoi vraiment euh, un petit truc discret, mignon, chaleureux euh, qui fait un petit peu peur parce que finalement il faut pas être claustrophobe du coup euh, du coup voilà Arthur m'aidera donc euh, je pense dans le prochain épisode euh, pour euh, faire les, les, les conduits donc euh, parce que ça j'ai du mal à je comprends pas comment ça fonctionne les conduits faut faire un faut mettre un déjà faut le crafter hein, avec le cœur de la mer et puis autour faut faire euh, une structure donc euh, ça il m'aidera euh, faut que je pêche en off des coquilles euh, des carapaces, donc je... et je prendrai une canne à pêche et puis je vais pêcher ici. Avec un peu de chance, j'en aurai. Euh, Peut-être en tuant les zombies sous la mer. Et puis si jamais j'ai pas assez, bah, les amis, dans le prochain épisode, on essaiera de s'en choper, bien évidemment. Voilà, on se fera un petit plaisir. Et donc dans les épisodes d'après, on ira euh, dans les temples marins avec euh, BXNO, ça c'est sûr. Euh, J'aimerais qu'on aille dans l'End pour récupérer des rods BXNO aussi, il me semble, donc on ira aussi avec BXNO, je pense. On ira à plusieurs. Et puis, euh, et puis voilà, après les prochains épisodes, l'ID, Tiamo, euh, Créo. Évidemment, Anaïs, etc. Ça pourrait être assez sympa. Voilà. Les amis, si cet épisode vous a enjoyé, eh bien, n'hésitez pas à le liker, bien évidemment. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci d'être là, les copains. Ça fait extrêmement plaisir. Je fais pas des vidéos dans le vide. Je fais des vidéos pour vous, pour moi. Et ça fait extrêmement plaisir bah, que vous soyez là, les amis. Rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao, 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 ciao. ciao. <laughs> Rack it up, rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house Shake it up, shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out Smoke it up, smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse Ball it up, ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound Fuckin' my post, to now, I've been humble too long yeah, Tell them all I'll stay calm